Bienvenue YouTube sur une erreur. Pourquoi une erreur? Parce que si t'as vu les jeux précédents d'Ask Game, à chaque fois qu'on finit le jeu, je me dis plus jamais ça, tellement c'était éclaté. Et pourtant, il vient de sortir encore un nouveau jeu qui s'appelle Paranormal Place. Il est dispo à 5-6 euros à peu près sur Steam. Le chat est chaud, je ne sais pas pourquoi, et le beat est bon. On est sur un bingo d'horreur. Un bingo d'horreur, c'est très simple. Tu vas dans la description, tu cliques sur le lien, tu prends ta grille de bingo, et à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans le jeu qui est marqué sur ta grille, bah, tu le coches. Si tu as une ligne diagonale, verticale ou horizontale, t'as le bingo et tu me le dis évidemment en commentaire. Le nouveau jeu d'Ask Game, le pitch, c'est très simple. On est Alex, un blogueur qui va du coup dans des endroits hantés puisque ses abonnés lui ont demandé de faire du phasmophobia IRL. Je déconne pas, c'est ça le pitch. C'est incroyable, c'est l'histoire de ma vie. Le chat est chaud, le beat est bon, on est parti mesdames et messieurs. Ça dure je crois une heure. C'est disponible qu'en anglais ou en russe ou en espagnol. Habla espagnol? Let's go, baby. Salut, je suis Alex et aujourd'hui, j'ai du content pour vous, du contenu. Préparez-vous pour une aventure incroyable. Okay. Alors, j'arrive dans un lieu, mais l'entrée... Il faut que je choisisse... et j'installe l'équipement. Ah oui, il va installer l'équipement et tout. Ok, let's go. Phasmophobia, c'est pas tout de suite, peut-être demain. Alors, faut que j'aille au sous-sol. Je vais monter un peu le son. C'est peut-être une erreur, mais je vais le monter un peu. Et c'est quasiment les mêmes assets que le jeu d'avant, mais... Ok, la traduction, elle marche pas, ou comment ça se passe? Du coup, j'ai même pas vu ce qu'il a dit. Ah, ok. J'ai besoin de nettoyer la table pour mettre l'équipement. Bon, bah écoutez, la traduction marche pas, je l'enlève. Je mets tout par terre. Je prends mon matos. Ah ouais, d'accord. Oh, sacré backpack, sacré matos quand même. Ok. Ok. La lumière. PC. Ok, je sais pas ce que je dois faire. Je clique sur mon backpack, il se mâche sans rien. Je crois que j'ai un inventaire. Ok, c'est fermé. Qu'est-ce que je dois faire? Je peux pas relier le PC à l'écran ou quoi que ce soit, non? Ok. À votre avis, chat. Bon, écoutez, on va se barrer. Hein. J'ai l'impression d'avoir fait tout. Je peux courir? Ouais, je peux courir. Hop. Ah, ok, je me balade juste pour mettre le matos. Ok, donc j'ai mis une caméra sur 4. On a entendu la coupure. Le mec a juste mis bruit de vaisselle MP3. On a entendu la coupure du truc. D'accord. Alors, je sais pas où faut mettre la caméra, j'imagine qu'il faut fouiller. Fermé. Ok. Cette pièce a l'air pas mal là, tu veux pas mettre une petite caméra? Non. Oh, il n'y a pas envie. Moi, je fouille en attendant. Ok. Donc là, j'ai ma première caméra. Ici, peut-être? Non. Ici? Non, mais là, c'est le début. Ah, là, peut-être. Ah, mais attends, il y a des escaliers et tout. Ok. Ça doit être là. Mais qui sursaut t'as perdu. Ta gueule.
On dirait Sunny Mido? Ah putain, si j'étais le dev de Phasmo et de Sunny Mido, je l'aurais mal pris. Hein. Ah ok. Deuxième caméra sur 4. Ouais. Merci beaucoup pour les 10 balles comme ça au calme. Merci énormément. Merci pour tout le travail et le contenu que tu fournis. Mais merci beaucoup, Jifu. Jifu. Putain, tu régales. Merci. Merci énormément. Alors attends. Je vais pouvoir m'acheter du matos, des caméras de meilleure qualité. En fait, on a aucune indication sur où mettre les caméras, quoi. C'est vraiment au petit bonheur. J'en ai mis combien, chat? J'en ai mis deux ou trois? Des caméras. Attends, c'est dans le jeu, ça? Allô? Non, parce que entre les jumpscares du chat et le jeu, moi, je sais plus, hein. J'en ai mis deux? Ok. Mais il n'y a même pas de fenêtre. Pourquoi on entend des bruits de fenêtres qui cassent? Puis surtout 2-3 fois. Okay. Bon, attends, je vais aller à l'étage. Ah non, attends, là, il y a une porte. J'ai pas fouillé ici. Un bruit de douille. C'est un bruit de douille, ça. Comme si quelqu'un avait tiré. Le son du jeu est assez fort pour vous? La porte c'est bloqué. Ouais, ok. Bon bah écoute, on se balade hein, jusqu'à qu'ils mettent la caméra en mode automatique. Oh putain non. Ok, j'ai cru qu'ils allaient nous faire remettre un fusible. Le truc alors attends. Du coup, faut que j'aille où là? Ok, ça a placé une caméra à la sbre. Ok, 3 sur 4. Allez, plus qu'une. Ah, et là, c'est d'où je viens. Ok. Ah, mais peut-être qu'il faut les placer dans l'ordre. Mais non, j'en ai mis une là, une là. Je vais aller voir tout en haut. Attends, je vais aller voir tout en haut. Donc là, c'est où j'ai posé mon matos. Et du coup, il doit rester une caméra à mettre tout en haut, je pense. Ah non, pas du tout. Ah. Ok. Bon, bah ça doit être un endroit. Soit c'est scripté, c'est-à-dire il faut les faire dans l'ordre. Donc il faut que je refasse tout ce que j'ai visité. Donc la première, je la mets là. Moi, j'en sais rien. Bon, vas-y. On va sprinter. J'en ai mis une ici. Merci beaucoup Camille pour les 5 balles sur YouTube. Merci beaucoup, tu régales Camille. Merci pour le soutien. Non. Oh, merci énormément pour les 5 euros Camille, tu régales. C'est pas ici. On va trouver, vous inquiétez pas. Ah, je vous avais dit qu'on allait s'emmerder, hein. What the f... Ok. L'argent me fait éternuer, je suis allergique à l'argent. C'est vrai, tu as trouvé ma... Tu as trouvé ma kryptonite, c'est l'argent. Je déteste ça. C'est surcoté, je trouve. Putain, mais faut aller où? Tu vas la mettre ta caméra à la con? Oh putain.
Non, je viens de pas rage quit, je vais le finir ton jeu de merde, Ask a Game. En plus, je fais tous tes jeux, quoi. Je suis vraiment un de tes pires Yankli. De tes meilleurs Yankli, je veux dire. Je voulais dire, je suis le pire Yankli. Je sais pas où faut aller. En fait, c'est ça, le jeu te fait devenir fou. Putain, si la caméra, faut la mettre à cet étage, ça a aucun sens, quoi. Ça a aucun putain de sens. Pourquoi j'ai pas pu la mettre tout à l'heure? Non, c'est pas ça. Ok. Ce qui est bien, c'est que le jeu te guide absolument pas. Ok. Ok, je regarde si j'ai pas d'objectif ou quoi que ce soit. Merci encore Camille pour les 5 balles. Et merci encore Jifu pour les 10 balles. On va y arriver. Mais j'y crois à mort, moi. J'y crois à mort. Ok, c'est pas ici. Ok, vous avez des idées, chat? C'est une soirée jeu de merde, hein. Donc fallait pas vous attendre à que des bangers. Le jeu d'avant, d'ailleurs, YouTube, si jamais tu n'as pas vu la vidéo du jeu d'avant, on croyait que c'était un jeu éclaté, au final c'était un banger. C'était Rec Paroxysme. Voilà, je te le mettrai en fiche si j'y pense. Mais va voir, va chercher sur ma chaîne YouTube. Le pitch était le même en plus. C'était un mec qui fait de l'urbex machin et en fait le jeu était trop bien. Contrairement à celui-là! On va trouver. Regardez, je cours, je donne tout. Elle était là! Mais bien sûr! Mais bien sûr qu'il fallait la mettre là, ta caméra à la con! Ok. J'ai besoin de checker les caméras sur le monitor. Et puis après, je vais dormir. Ben oui, mais bien sûr! Tu vas dans un endroit, tu viens... Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais arrête de ramasser du verre qui n'existe pas! Putain! Allez, va te coucher! Mais je sais même pas où je suis. Oh, il y a un éboulement! Oh, je ne sais pas où je suis. Un jeu de merde. C'est bon, je sais où je suis. Là. J'ai besoin de mettre mon sleeping bag à côté de la fenêtre. Ah super! Incroyable! Pourquoi à côté de la fenêtre? Au cas où il y a un incendie que tu sautes? Il y a des barreaux. Alors, regardons les caméras. Ah c'est ma lampe torche, ok. Ok, jusque là tout va bien mesdames et messieurs. Ok. Bon, rien à signaler. Rien à signaler. De toute façon, on sait tous que le paranormal n'existe pas. On va se coucher. On va se coucher parce qu'on est venu là pour dormir. Hein. Je peux pas? Ah si. Le mec a mis une playlist de sang au pif, ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Ok. J'ai besoin de checker les caméras. Alors, si vous aimez les jeux dans le style, vous prenez n'importe lequel de ces jeux. Ils sont tous éclatés. C'est le Emika Game de Wish. Déjà qu'Emika Game, c'est pas ouf. Mais alors, lui, c'est de Wish. J'ai vu des changements. Ah non, je n'ai pas vu aucun changement. Il faut que j'aille checker. Attends, j'ai même pas... Ok, il n'y a pas d'orbe. Je devrais plutôt regarder. Ah non, il faut que... Ok, en gros, c'est moi qui ai mal traduit. Il faut que je check si je vois des changements. C'est ça qu'il disait. Ok, la porte s'est ouverte. La porte n'était pas ouverte tout à l'heure. Attention. Acting. Attendez, c'était allumé là-bas? Attendez, la porte était... Est-ce que je peux y aller là? Je peux pas y aller. Ouais, non mais ok, mais moi je voulais voir pourquoi la porte était ouverte du coup. Ah, attendez, j'ai vu de la lumière.
Il y a quelqu'un qui se balade. Je comprends pas. Attendez, on va rester un peu sur cet écran. On est d'accord que la porte était fermée, mesdames et messieurs. Hein, on est d'accord. Qu'est-ce qu'il veut que je regarde? Je comprends pas. Eh? Quel était ce bruit? What the... Mickey, moi aussi j'arrête pas de les regarder tes putains d'écran! On t'a jamais dit que trop d'écran te rendait neuneux là? Keep watching! Qu'est-ce qu'il y a? Attendez, là-bas c'était pas allumé. Attends, si je le fais vite. Ok, il y a quelqu'un qui pleure dans la cellule, faut que j'aille checker vite. Ok. Alors quelqu'un qui te siffle, tu checkes rien, et quelqu'un qui pleure dans une cellule, tu vas checker. Hein. Ok. Elle est où la cellule? Rez-de-chaussée, non? Pas rez-de-chaussée. Si, rez-de-chaussée. Sous-sol, enfin, t'appelles ça comme tu veux. C'est un observation duty sans les anomalies, ouais, c'est ça. Hey, tu te calmes. Merde, c'est fermé. Que dois-je faire? L'installation sonore de cet endroit est vraiment de qualité. Ça s'est ouvert là? Allô? J'ai entendu des bruits de pas. Non mais attendez, il y a des bruits dans tous les sens, je comprends rien. Il faut te calmer sur les scripts, mec. Allô? Attendez, c'était pas allumé là-bas tout à l'heure. Là, il faut une carte. Merci, merci. De l'essence. Mais non, me dis pas qu'il y a le bruit de la balle de tout à l'heure qui se remet. Ok. Donc là, faut une carte. Pour sortir. Le truc qui était pas là tout à l'heure. Hein. Ou alors j'étais bigleux, mais... Oh putain, il va nous... Attendez, ça y était pas. C'était contre le mur. Attendez. Attendez. Le truc là au fusil par terre, il y était pas tout à l'heure. On est d'accord? Non, je pense que c'est moi, je deviens bigleux. Ah mais c'est random hein. Oh. Ah non, c'est bloqué ça. Ok, qu'est-ce que je dois faire? Je sais pas ce que je dois faire. On va aller là. Non, là c'est d'où je viens. Ok. Est-ce que j'ai tout visité là-bas? Oui. Dès que tu passes, en fait, il y a un vieux script de la porte. Ok. Je crois que j'ai tout fait ici. Hein. Ah oui, là. La porte qui était ouverte. La porte qui s'est ouverte là sur les caméras, c'était où du coup? C'était... Attends, il a pas fait ça.
Attends, attends. Tu vois la ligne? Il l'a fait ce sac à merde. Oh, on est sur du bon bingo là. Ça c'est du bon bingo comme je l'aime ça. Encore? Allez! La deuxième porte. Ah, celle-là moins. Ah si, quand même. Ok. Bon, alors attends, faut que je retourne en haut. C'était là, je crois. Putain. Incroyable. Ah, vous en avez pour votre argent, là. Hein, je vous l'avais dit. Hein. Tout le jeu est fait de même. Tu te souviens pas? Comment ça, tout le jeu est fait de même? Je me souviens de la démo, hein. Il y a des bruits de pas. Non, c'est les miens. C'est quoi ce bruit là? Il y a un frigo, il y a un truc. Oh, le jeu éclaté. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ah là, cette porte. Il faut que je retourne dans la pièce où il y a mon stuff. Et pourquoi? Je viens d'arriver. Ah, parce que le bruit venait de là-bas, peut-être. Oh, les chiottes sont dégueulasses. Je suis étonné que personne ait le bingo encore. Ok. Ok, bon bah retournons où il y a notre stuff. Ça vaut pas Faspo. Ah mais c'est le but hein, Never Chill Out. Ok. On est sur une soirée jeu d'horreur éclaté. Hein. Alors attends, c'était où? C'était là je crois. Me dis pas qu'ils m'ont volé mon matos et tout. Le Polaroid. Ok, Polaroid qui sort de nulle part. Ah, le mec il prend tous les clichés et puis il les met dedans quoi. Ok. Et puis tu secoues, ouais voilà, ok. Ok, donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Faut que je fasse des... Heureusement que vous êtes là pour claquer. Hein. Ah attends. Ouais, mais maintenant que j'ai le poil à... Putain, mais les sons random, ça me bute! Merci beaucoup pour le claquage d'Oli. Les sons random, ça me bute! Ça me bute tellement il n'y a aucune logique, quoi. Je devrais continuer de regarder. Oh putain, oui, oui, oui! Fais-moi regarder! Fais-moi regarder! Fais-moi regarder la pub! Pub! Alors attention, maintenant j'ai une caméra, je... Ah non, oui, merde, il faut qu'on continue de regarder ces écrans de mort, là. J'avais oublié. Ok. Oh, c'est tellement nul. C'est tellement nul que ça en devient du génie, quelque part. Parce que c'est très important de jouer à des jeux nuls, surtout si vous êtes développeur de jeux, ou alors que vous voulez développer un jeu. Parce qu'en fait, c'est toutes les erreurs à ne pas faire. Allô, qu'est-ce que tu veux? Non mais là il faut faire tous ensemble chat. Tous ensemble, il faut qu'on fasse le mime, le même tous ensemble. Tous ensemble, ne bougez pas, tous ensemble. Vous enlevez ce que vous avez sur vous, vous enlevez les lunettes, vous enlevez tout, OK? Vous posez comme ça, vous prenez votre main et je vais vous faire un décompte. Et à la fin de ce décompte, on se fesse palme tous, OK? Vous êtes prêts? 3 2 1 Voilà. Merci. Merci voilà, merci, n'hésitez pas à le chat. Merci à ceux qui sont prêtés au happening. C'était littéralement, enfin je sais même pas si on peut appeler ça un jumpscare quoi.
Non mais, merci à vous. J'ai pas les mots. Non mais j'ai pas les mots. Ça c'est le gaming. Ça c'est le gaming. Ça c'est le gaming. Putain. S'il me dit qu'il faut que je regarde encore les écrans, je pète mon crâne. Non mais TikTok, installez-vous. Hein. Je vous ai pris parce qu'on est sur des jeux éclatés. Hein. Putain mais c'est pas possible. Ah. Pardon, excusez-moi. Oui, je continue à regarder ta merde. Je vais crier un peu, je vais reculer le micro. Je sais pas comment ce dev peut faire des jeux de plus en plus nuls. C'est fou quand même. Il a tout donné lors de son premier. Et là, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'il y a? Oh putain, oh je vais prendre ta mère, je vais lui faire une sodomie au basilic. C'est pas possible! T'as jamais essayé? Demande à la mère de maman. Putain! Merci, merci pour le claquage. En plus, il n'y a même pas la vision nocturne. Le mec, il a mis des caméras dans une usine abandonnée. Il a même pas la vision nocturne dessus, quoi. Qu'est-ce que tu veux faire des enquêtes paranormales avec cette merde? Merci, Isdilia, pour ton retour. Oh, me dis pas que c'est... Attends, il nous fait checker le 2... Deux fois le même truc. Ok. Oh, attends. Faut aller où? Non, c'est pas par là. C'est par là. Mais non, mais c'est pas par là. Attends. Il est où l'escalier? L'escalier là où on retourne au... Oh putain, ce level design de merde. C'est là. Alors je crois que c'est pas la même cellule. Hein. Ah oui, c'est la cellule du script. Attendez. Non mais attends, les sons random, c'était quoi là? Explosion. Michael Bay commence à devenir dur là. Il manque plus qu'une explosion. Oh putain, je me refais avoir par ce script à la con! Ferme-la! Comment tu veux que je fasse une miniature YouTube? Y'a rien d'effrayant. Oui, oui, non, Antoine, tu n'es pas effrayant en porte. Ok. Oh non, mais attendez, il faut qu'on aille voir les reviews sur Steam de ce truc. Et qu'on se foute de la gueule de tous les gens qui ont dit que c'était un banger. Parce qu'il y en aura sûrement. Attends, attends, faut pas que je prenne une photo avec la caméra du coup. Parce que maintenant que j'ai une caméra. Attends, je vais essayer. Oui, oui, tais-toi, tais-toi. Oui, ok, c'est ça, j'ai compris. J'ai compris le délire. Il faut faire disparaître les cadavres. Non, mais tu vas arrêter? Je vous promets que j'appuie sur aucun bouton, regardez. Juste avant, je recule. Ok. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Faut que je retourne à la salle? On va retourner à la salle où il y a... Oh, je te promets, je vais violenter une porte. Ma femme va pas comprendre. Pourquoi tu tapes cette porte? Cherche pas. Oui, oui. Putain. Vous êtes content, hein, vous êtes content, TikTok, d'être parmi nous, là. Qu'est-ce qu'il y a? Alors attends, là. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Le problème, c'est qu'en fait, le jeu te dit ce que tu dois faire, mais seulement quand il veut. Je dois faire quoi?
pas vu une dame en chemise de nuit sur la cam à l'étage? Ah si si si, là. Ok, on va aller voir. Bien vu, je crois que c'était ici. La porte là, ouais. À mon avis, y'a... J'allais dire à mon avis, y'a rien, mais... Oh merde, celle-là aussi c'est fermé. Non, 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 laisse-moi sortir. Ou alors tue-moi, qu'on en finisse. La porte ? Ok, il y a des cadavres. Il y a du sang, il faut que je prenne une photo. Le sang, il n'y était pas, il y a... y a un squelette ici qui dort. Attention, jumpscare. Pas du tout. Okay. Le son est beaucoup trop fort. Merci beaucoup pour les 100 bits, Sirigan. Ok, en fait, on a un appareil photo qui fait disparaître le sang. Lui aussi, faut que je le prenne en photo. Je vais essayer. Est-ce qu'il y était pas tout à l'heure? Non, ça fait rien. Il n'y a pas de sang. Ok, c'est que des trucs où il y a du sang, du coup. L'autre porte. Fuck. Ah, il faut la prendre en photo. Donc dès qu'il y a du sang, get out. Ouais, super. J'aurais pas pensé tout seul. Il faut que je retourne dans la chambre où il y a mon stuff. Putain, mais le mec, il a même réutilisé les mêmes phrases en boucle, quoi. Il y a rien. Comment tu fais? J'aurais Alt F4 au bout de 10 minutes. Mais c'est parce que c'est le but de l'émission. Non mais forcément, t'aurais Alt F4 et tu te serais fait rembourser. Mais là, on a envie de voir à quel point c'est éclaté. On est 800 personnes en mode, mais c'est incroyable. Vous êtes prêts? Il y a un truc qui va nous courir dessus. Pas du tout. Oh, mais, oh le jumpscare de la caméra, je m'en remets toujours pas. Hein. Les deux yeux là, dégueulasse, et le sound design. Je m'en remets toujours pas. Oh, je peux me pencher. Okay. Mais il faut que je fasse quoi du coup? Faut que je parte? Non, faut que je check mes caméras. Je comprends pas. Il a pas dit de checker la caméra, il a juste dit d'aller retourner dans la salle où il y avait le stuff. Allô? Ok. C'est quoi ce bruit? Ah, la porte là. C'est la porte là qui s'est ouverte. Okay. Et la porte là aussi, avec le cadavre. Ça, c'est le même bruit, c'est le même bruit en boucle. Ok. Attends, je vais aller voir là vite fait et puis après on va descendre. C'est quoi ce bruit? Qu'est-ce qu'il y a? Moi j'ai peur de rien, moi. Je souhaite la mort. Tue-moi. Tue-moi. Oui. Oui. T'as le mec qui vit sa meilleure vie, quoi. Oh, et le chariot a disparu. Oh putain, ça doit être là l'entrée pour aller à Poudlard. Oh putain, Poudlard, mais en deux mots, c'est Poudlard. D apostrophe L A R D. Le cochon, le lard. Putain, j'avais faim, Thierry, tu fais chier, il y a Poudlard. Oh, cette blague est nulle à chier comme ce jeu. Hey, j'en suis un peu fier quand même. Prends des C6, y'a plus de l'art. Ah oui, violent.
Saute-moi les oreilles, putain. Ça y est, je deviens fou. J'en peux plus. Oh, la caméra qui part en couille, moi qui enlève mon t-shirt. Oh putain. Hein? On a vu un téton. Bah tant pis. Franchement, je préfère être ban Twitch que finir ce jeu là. Un code, c'est... Non mais attends, il faut trouver un code. Il faut trouver un code, il y a le premier numéro sur le coffre, quoi. Le premier numéro du code, il est sur le coffre. Allô ? Niveau sécurité, faut repasser, hein. Oh putain. Et tu vois que le truc a été rajouté à la zob. Ça a été rajouté à la zob dessus, quoi. Oh là là, j'aimerais trop qu'il passe sur mon stream, que je lui dise... Que son jeu est nul à chier. Comment on dit ton jeu est nul à chier en russe? Je ne sais pas, mais je pense qu'il comprend. Ok. Il faut que je prenne des allumettes. Super, vas-y, prends. Voilà, j'ai des allumettes. Ça. Open x 8. Open x 8. Trouver et ouvrir 8 cercueils. Ah d'accord. Ok. Rien que ça. Ok. Ok. Bah déjà, il n'y en a pas ici. Oh putain. Oui. Alors, des cercueils. Let's go, baby. Ah, c'est incroyable. Ça, c'est du gaming, ça. Ah, un cercueil. Ok, y a rien dedans. Deux cercueils. Y a une souris morte. Ok, super. Trois cercueils. Tech photo. Il faut qu'on prenne... Ok, il faut prendre une photo du lieu ici. Donc ça, c'est en bas où il y a l'électricité, je crois. Hein. Ok. Ok. Elle avait pas de tête. Attendez, c'était une serpillière. Eh. Ok, ma caméra part en couille. Je la contrôle. What? Je peux pas passer? Si. Ah mais parce que... Ok, elle est là. Bonjour. Allô? Ok, nul à chier. Ah putain, il m'a mis la smooth caméra. Attends. Parce que c'est horrible ce truc, hein. Ok, c'est bon, je l'ai plus. Il a réussi à me changer les settings en temps réel pendant le jeu, quoi. Ok. Oh, attends. J'allais dire, s'il nous met le bruit d'une vitre qui casse, je deviens fou. Et il le fait. Putain, mais il le fait. Thierry, mets-moi un bras dans le cul. Ah. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Non, mais c'est pas possible d'être de... Le jeu est de pire en pire, mais c'est incroyable. J'ai même plus de conneries à vous dire, quoi. C'est trop. J'en peux plus. Qu'est-ce qu'on a ici? Du lore. Ouais, super. Torche-toi avec. On a une gourde. Une montre. Ok. Ici, c'est une chèvre. Ah non, c'est les boîtes à meux. C'est une boîte à meux. Qu'est-ce que c'est? Il y a trop de trucs. Non mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Il y a une grille qui tombe alors qu'il n'y a pas de grille. Ah non, c'est la grille du truc.
Il se fait... What? Mais y'a rien! Il se passe rien! Le mec qui va arriver, le dev va arriver, il comprend pas le français, il va dire ah ouais, je l'ai fait bien. Non mais attends, il y a une boîte à meux quelque part. C'est pas mon bras, c'est pas ton bras que t'as mis, c'est une boîte à meux. Il se passe quoi là? Mais... Je comprends rien. Me dites pas qu'il y a personne qui a le bingo dans le chat, je vous crois pas. Bon, qu'est-ce que je dois faire? J'ai rien compris. Toute la séquence là dans les chiottes, j'ai rien compris. Si, vous avez des bingos? Ok, bon, merci. Bon, qu'est-ce que je dois faire? Des cercueils. Quoi? Combien j'ai ouvert de cercueils déjà? Attends, mais... Non, mais c'est les mêmes bruits en boucle. Ah, il a fait tomber ma caméra, le fils de... Ok, je ramasse pas le matos, c'est pas grave, fuck le matos. Oh là là, c'était nul. En plus, c'est la meuf de Pity qu'on connaît tous. Ok. Puis on l'a bien vu apparaître et disparaître, du coup, comme j'étais en train de courir. Il y a eu un sifflement. Non mais le mec a pas compris, en fait. Oh, il m'a remis le... Vous voyez le smooth caméra, là? Je bouge à peine la souris, ça fait un truc comme ça. Oh, c'est horrible. Attends, non, non, mais attends, faut que je l'enlève. Le mec, le truc change les settings en cours de jeu, quoi. Vous voyez la différence? Là, je l'ai plus. Pourquoi ma langue clignote, quoi? Pourquoi elle clignote? Oh, c'est horrible. Oh, oh c'est horrible. Il fait tous les mauvais choix possibles. Y a rien de bon. Il faut que je trouve un indice pour l'ouvrir. Non mais attendez. Ok. Ouais, mes yeux, mes yeux, mes yeux. Ok, vite, je ressors. Ça s'arrête pas, putain, ça s'arrête pas. Ah, c'est là. Ok, je vais prendre ça en photo. Ok. C'est bon, ça s'est arrêté, mais le smooth machin s'est remis. Oh, c'est incroyable. Oh, sa mère la pute! Oh! Oh putain! Elle a passé les bras levés comme ça. Wouh! Elle passe sa meilleure vie, putain. Europa Park dans ton fion. Ok. Tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Ah, c'est là qu'il y avait le jumpscare avec la petite poupée, la maléfique qui servait à rien. Ok. Ah, super, on peut ouvrir et fermer des portes. Il y a un autre coffre. Oh! C'est peut-être le meilleur jumpscare du jeu, là. Tu peux cocher Google Trad? Ben non, parce qu'il n'y a pas de jeu en, il y a pas de français. Donc ouais, coche-le automatiquement. C'est le mec qui coche. Non, ok. La salle, elle servait à quoi, là? Il y avait rien. Il y a rien, en fait. Allô? Un autre jumpscare, please. Non? Ah oui, c'est où j'étais tout à l'heure, je crois, ça, non? Ok, ok. Il faut que je trouve... il faut que je trouve... Des... il faut que je trouve des... Ah oui, la photo, là. Faut prendre une photo, ici. Ok, photo dessous l'escalier. Faut que je prenne une photo là, c'est peut-être l'endroit le plus joli du jeu. Attends, ça va pas marcher? C'est quoi ce bruit? Oh. Mais on a rien vu. Putain, il m'a remis. Oh, il m'a remis pas le head bobbing, le smooth camera là. Attendez, fallait pas que je prenne une photo d'ici? Il fallait pas que je prenne une photo d'ici, mesdames et messieurs? Il y a une note là.
Ok, il y a des soldats qui ont été tués. C'est la liste de soldats qui ont été tués. Si! Fallait bien que je prenne une photo d'ici, on est d'accord? Attendez. On va aller prendre la photo sous l'escalier. Petit jumpscare là. Là. Ok. On me dit pas que c'est une carte au trésor toute pourrie. Ah non, c'est l'indice. 2 et 3. Ok, 2. Attends. 2 comme ça vers la droite et 3 vers la gauche. C'était où? C'était à l'étage ou au rez-de-chaussée les coffres? Merde, je me suis gouré de bouton, pardon. Les coffres, c'était à l'étage ou... Ah non, mais les effets sonores sont... Il y avait un logo pirate, ouais. Oh. C'était au rez-de-chaussée. Enfin, c'était au cave, je veux dire. Les deux? Là? What the fuck? Vous la voyez? Il m'a remis les settings, fils de pute. Ah putain, j'en peux plus. Mais du coup, c'est la bouteille qui tombe, enfin... Mais du coup, comment je l'ouvre, ce truc de merde? Hein? Je peux même pas choisir dans un sens ou dans l'autre. Hein? Ben ouais, il tourne tout le temps dans le... Il tourne tout le temps dans le sens opposé. What the fuck? Ok, c'est du lore. Rien ne fait sens dans le jeu. C'est pas... En fait, c'est ça qui est fou. C'est même pas... Il y a un petit truc qui fait sens. Il y a rien qui fait sens. Pozzub. I need to find a clue, mais je l'ai trouvé. Oh, putain. Ok, je pense qu'on est bientôt vers la fin de chat. Ok. Ok. Qu'est-ce que je dois faire? Combien j'ai ouvert de cercueils? Vous avez compté? On va y arriver. Là. Attends, c'est quel endroit ça? Il y a une caméra et une fenêtre. Caméra, fenêtre. Ok. Putain, c'est nul. Caméra, fenêtre, caméra, fenêtre. Attendez, il y en a un là aussi. Il n'y a rien dedans. Ok. Caméra, fenêtre. Il y a des bruits tellement random. Ok, caméra, fenêtre. On va trouver. Oh non, non, on le finit, c'est une masterclass ce jeu. Fermé. Là, je suis sûr qu'il fallait prendre une photo, mais que je l'ai mal fait. Attends. Non ? C'est trop chelou. Alors je vais essayer comme ça. Ah, okay. J'ai fait 7 cercueils. Ok. Ok, ok. Bon, on va retourner à l'étage, prendre la photo. Oh, la porte. La porte, la porte, la porte. Allô? Il y avait quoi? What the... Ça doit être là, non? Elle est où la caméra? C'est pas ici. Là, c'est les chiottes du plaisir. Oh putain. Ok, c'est pas ici. C'est... Non, c'est pas ici. Ouais. C'est là, c'est là. 100%.
Putain, mais c'est là, c'était marqué tech photo. I think it's better to take a photo near the window. Ok, bon, ça va. Au moins, il nous dit ce qu'on fait de mauvais. Vous êtes prêts, jumpscare? Pas du tout. J'ai pris une photo. Putain de jeu de merde. Comme ça? Je comprends pas. Il a bien dit prendre une photo à côté de la fenêtre. Oh, des corbeaux! C'est ce qui manquait, des corbeaux. Vas-y. Ah oui, ok, il y avait un truc sur la fenêtre. Ok. C'est le deuxième indice. Ah, l'infirmerie, ok. Putain, putain, c'est... je sais plus quoi dire, chat. Honnêtement, je sais même plus quoi dire pour vous faire rigoler. Le jeu s'en charge très bien lui-même. Des bisous, Younes. Des gros bisous. Ok. Attendez, il faut retourner. C'était la salle de l'infirmerie. Ok, c'est pas celui-là, c'est l'autre. Ah non, c'est incroyable. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Là. Donc maintenant. Ah, ok, c'est le symbole dessus. Ok. Donc là, je tourne. Je tourne en rond. Fan de Zazie, tout ça, on connaît. Et là, ça s'ouvre comme par magie? Non, il faut que je tourne encore. Tu loupes beaucoup de choses, c'est dommage. Mais en fait, je loupe rien, mec. Je ne loupe rien. Y a pas. En fait, des fois, il y a des bruits, mais il y a rien. C'est ça qu'il faut comprendre. Ah, ok. Je comprends pas. C'est du bluff, Martoni, mais oui. Allô? Pourquoi il s'ouvre pas? Pourquoi il s'ouvre pas? Pourquoi il s'ouvre pas, ce truc de merde? Ah, c'est bon. C'est quoi ce bruit? Oh, y a des bruits chelous, je comprends rien. Ça y est, il est ouvert. Ok, j'ai un livre et il l'a posé par terre. Très bien. Et j'ai la carte. Ok, j'ai une carte magnétique pour l'exit. Là, il y a un jumpscare. Pas du tout. Ok, la carte, elle est là. Ça va être fermé, faut remettre le courant, un fusible, une connerie, non? Il y a une photo là. Attends, me dis pas que j'ouvre la porte, c'est fini. Me dis pas que j'ouvre la porte, c'est fini. Andy, Andy. Attendez. Pour cet étron interplanétaire. Oh putain, je vais me faire rembourser. Non mais attends, c'est pas possible. Normalement, je me fais pas rembourser les jeux que je finis, mais... T'as eu peur? Non, j'ai sursauté, c'est différent. Oh mon dieu, mesdames et messieurs, est-ce qu'on serait pas sur un des jeux les plus éclatés de l'histoire? Mais premier degré, c'est-à-dire que le mec a mis tout son amour dans le truc, mais c'est de la merde. Merci à Juste Ton Cul, bah, qui fait que des jeux claqués, et Mika Game, c'est pareil. Oh, ils sont tous potes, en fait. Ils sont tous potes. Ils sont tous nuls à chier. Et nous, on les fait tous quand même. Putain, j'ai passé un moment incroyable. J'ai passé un moment incroyable. J'espère que vous aussi. Mettez un plus 1 si vous avez un bingo dans le chat ou si vous avez trouvé le jeu éclaté. Mettez un 0 si vous avez bien aimé le jeu. N'hésitez pas. Continuez. Non, mais qu'est-ce que tu veux que je continue? Qu'est-ce que tu veux que je continue? Il n'y a rien. Laisse-moi. Il y a des trophées? Il y a quelque chose? Il y a des trophées. 5 trophées sur 9. Attends, me dis pas qu'il y a des fins cachées, s'il te plaît. 5 trophées sur 9. Ok, j'ai pas de descriptif des trophées, donc je sais pas. Ok. Bon, ça doit être des jumpscares que j'ai loupés, j'en sais rien. Ouais, bon, on a plein de bingo. Non, mais attends, c'était de la merde. C'était vraiment de la merde, mais en même temps, je vous avais prévenu, on était là pour ça. Mais je pensais pas... En fait, ce dev, je te mettrai dans la playlist
dans les fiches, pardon, YouTube, je te mettrai les autres jeux du dev. Mais ils sont tous mauvais. Mais je pense que lui, c'est son plus mauvais. Et je trouve ça quand même ouf que le mec, ah, il a quand même des années de bouteille et que ses jeux deviennent de plus en plus nuls. C'est insane. Je trouve ça insane. Tu me diras en commentaire ce que t'en as pensé. Mais je... Je sais pas, le jumpscare des deux yeux sur l'écran, les sons random, mais il n'y a rien qui va. Il n'y a absolument rien qui va, c'est que des allers-retours, tu cherches la moitié du temps ce que tu dois faire. Le coup des 8 cercueils, à mon... non mais à mon avis c'est un mec, il a une roulette avec des mots random, il a fait tourner et puis c'était marqué asile, cercueil random. J'ai rien compris, c'est du génie. Si toi aussi t'aimes le génie YouTube, bah tu cliques sur le lien dans la description et tu viens nous voir. Je suis en live quasiment tous les soirs sur Twitch et aussi sur YouTube et sur TikTok. Des bisous TikTok à partir de 22h, 22h30. Oh putain. Ça a sauvegardé, mesdames et messieurs, incroyable. On peut tenter la deuxième fin. Si j'appuie là. Attendez, parce que les allumettes, on s'en est pas servi. On va au bout des choses. Oh s'il te plaît, ça a pas planté. En fait, tu peux pas charger une partie. Dès que tu charges une partie, ça plante. Mais non. Donc en fait, je pense que vous aviez raison. Il fallait prendre les allumettes, il fallait prendre l'essence, et il fallait cramer un truc, peut-être les cercueils, et ça te donnait un code qui te permettait d'ouvrir un truc qui avait peut-être une clé qui te permet, ou alors une hache qui te permettait de casser les planches et de pouvoir sortir. Tu vois ce que je veux dire? Mais sauf que là, en fait, dès qu'on essaie de charger une partie... Le jeu, il freeze. Je sais pas s'il freeze ou s'il plante. Ah non, ça marche! Ok. Ok, attendez. Donc là, j'ai chopé la carte. Ok. Sauf qu'on va pas utiliser la carte parce que j'ai des allumettes et tout. On va chercher le bidon d'essence. Attendez, mesdames et messieurs. Attendez, mais c'est la passion du gaming. Vous êtes passionné ou vous êtes pas passionné? Bon, l'essence, elle est là. Je peux pas la prendre. Ok. Le truc, c'est... Je débloque ça. J'ouvre la porte, mais je ne rentre pas. Ok? Comment... Vous êtes passionné, on est d'accord. Comment on débloque la deuxième fin, du coup? La vraie fin. Parce que je vous rappelle que le but, c'est d'avoir un code. Un code. On a des allumettes. On a un appareil photo. Ok. Un code. Attendez, on a un papier avec les gens qui sont morts. Ça nous donne des numéros, mais ça va pas trop nous aider. Non, mais dites-moi. Vous avez le droit de spoiler, hein. Là, on est juste en mode, on essaie d'avoir l'autre fin. Y'a pas une photo que t'avais pas réussi? Si, mais à mon avis, c'est pas ça. Parce que j'ai essayé sous tous les angles, ça marche pas. Faut qu'on trouve un code. Là, y'a un code, mais c'est beaucoup trop long. L'essence, elle est pas anodine. L'essence ici, elle est pas anodine, mais je ne peux pas la récupérer, vous voyez. Alors, est-ce qu'on a niqué la fin parce qu'on a pris la carte rouge? Et qu'en fait, fallait peut-être pas la prendre? C'est possible. Il te manquait pas un cercueil? Est-ce qu'il me manquait un cercueil, chat? Ah, je viens d'avoir un sifflement random. C'est aussi mauvais qu'un film Dragon Ball, oui. Est-ce qu'il me manquait un cercueil? Il me semble que oui, ok. Ok. On va le trouver, vous inquiétez pas, on va le trouver. La carte est pas si grande que ça. Ok, je peux plus accéder au truc. On va trouver, vous inquiétez pas. On va commencer par ici. Ok, ici, ça fait... Attends, tu sais quoi? On va commencer là où il nous avait donné le truc du cercueil. Ok. Regardez. Là, c'est où il y a le code. Donc là, 8 cercueils. Ok. 8. Et on a un code. Ok, très bien. Donc là, pas de cercueil, on est d'accord. Pas de cercueil, on va compter. Hein. Ça va aller vite. Ici, pas de cercueil. Ah. Ok, je viens de débloquer un trophée, vent. Très bien.
L'eau, le feu, le pain sont tous les éléments. Ok. Ici, pas de cercueil, on est bon. On arrive. Numéro 1. Cercueil numéro 1. On a les traces de main, c'est joli. Voilà. Numéro 2. Ok. Putain, il y a des bruits qui n'étaient pas là. Attends, est-ce qu'il faut prendre une photo? Non. 3. Putain, mais c'est ouf, il y a des bruits qu'on n'avait pas tout à l'heure. Numéro 3. Numéro 3, validé. Il y a des mecs random qui sifflent, enfin c'est nimp. Ok, numéro 3. Des corbeaux. C'est un truc de ouf les bruits. C'est un truc de ouf, ça s'arrête jamais. Oh putain là! On l'a trouvé! On l'a trouvé! Let's go! Se passe quoi? Donc là, ça fait combien? Ça fait 4? Ça fait 4, on est d'accord. Ok, je vais aller voir directement dans la salle. Hein? Mais non, c'est pas dégueulasse. Oh, t'es con. Ok, on va retourner où il y avait le coffre. Pourquoi on n'a pas le code? On n'a pas le code. Ok, c'est pas grave, on va continuer de compter. Donc 1, 2, 3. Juste là, on a le numéro 4. Numéro 4, c'est bon. Là, on a absolument rien. Là, on a rien. J'essaie d'ouvrir au cas où, si je peux. On a rien. Donc 4. Là, il n'y a rien. Attends, je vais aller voir là-bas. Il serait affiché où, à votre avis, le code? Sur le dernier? C'est juste que parce que j'en avais loupé un, du coup, il s'est pas affiché. J'espère qu'on s'est pas softlock. Donc là, ça fait 5. On est d'accord? 5. Attends, le 8e cercueil, c'est pas une personne affichée sur un papier. Peut-être. 5. On va voir, on va voir. Ok, 5. Là, on a un coffre. Pas de cercueil. Ok. Continue. Là, on a pas de cercueil non plus. Et on avait un coffre, c'est où on a chopé la clé. Ok. 6. On est d'accord, 6. 7. Ok, 7. Là, c'est fermé. Il nous en manque plus qu'un. Là, c'est fermé. Là, j'ai visité, c'est où il y avait le coffre. Là aussi. Là, c'est où j'ai ouvert tout à l'heure. Là, il y a l'essence qu'on ne peut pas prendre. Et là, c'est le dernier, c'est 8. Ok. Sauf que maintenant que j'ai ouvert les 8 là, comment je fais? Je dois faire quoi? Quelqu'un avait dit un bout de papier. J'avais pris un bout de papier. Est-ce que vous vous souvenez de quel bout de papier c'était dans le 8e cercueil? Là, il n'y a pas de date. Après, si vous voulez aller voir sur YouTube et le... Non, c'est pas Phasmo, c'est un jeu de... un jeu d'horreur. Allez voir le code, vous me dites, hein. Moi, ça me dérange pas. Ok. Là, on a la liste des gens qui sont morts. Bah si, c'était ça, c'était la liste des gens qui sont morts. Sauf que on a des numéros, mais ça nous aide pas, quoi. C'est marqué 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Le PC, il sert à rien. Sur le mur? De quoi sur le mur? YouTube, je pense qu'on te reprend quand on trouve. Hein. Parce que là... En fait, attends, on a fait les 8 cercueils sur le PC en haut. Bon, bref, tout de suite, YouTube. Oui, vous avez raison, il y a un truc sur le mur. Faut que je prenne en photo.
Non. Est-ce que ça veut dire que j'ai loupé des numéros où il y avait d'autres cercueils? Non, non, attends, les valves, je peux pas les toucher. Non, 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 je peux pas les toucher, calmez-vous. J'ai peut-être loupé des numéros sur les murs. Foutre le feu ici. Bah ouais, mais j'ai. Je clique, mais j'ai pas d'interaction, vous voyez? Je réfléchis, hein. Chaque pièce a sûrement un cercueil avec des numéros. Peut-être, ouais. Ce serait bizarre. Mais c'est possible, c'est possible. C'est une théorie à vérifier, mesdames et messieurs. Parce que le 8, il n'y était pas tout à l'heure, on est d'accord. Donc là, on a un 8. Ça veut dire qu'on aurait deux 8, du coup? On va aller voir où il y a un autre cercueil. Mais bon, ça m'étonnerait qu'il y ait 8 numéros, parce qu'il y a quand même 8 cercueils, tu vois. On a un cercueil là. Pas du tout. Sous l'escalier. L'escalier, il n'y a rien. On est vraiment en train de réfléchir sur ce jeu-là. Mais tu sais, si tu passes un mauvais moment, tu peux partir, hein. Alors. Il n'y avait pas un. Ou claquer Taoli, ça marche. Là, regardez. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un numéro dans cette dans une pièce ici? Merci beaucoup pour le claquage, je te régale. Moi, j'aime bien aller au bout des choses, mesdames et messieurs. Qu'est-ce que. Oh putain, j'avais oublié la boîte à meux. Putain. Putain! Je sais pas comment il a eu le code, mais c'est 1972. Alors attends, j'avais pas. À 1972 dans mes papiers. Les mecs qui sont morts, regardez, il y a un mec qui est mort en 1972. Le 4, KS Popov. Ok. Donc peut-être que en lisant les notes ou quelque chose, en fait, il fallait rentrer la date de naissance de ce mec-là. Et du coup, ça doit être dans les cercueils, peut-être qu'on a l'info dans les cercueils. En vrai, j'aurais pu le savoir et j'aurais pu tester la date de naissance directement des mecs. Hein. Ok. Donc c'est 1972. Par contre, c'était où, mesdames et messieurs, j'ai oublié. Je pense que t'avais des. En fait, en ouvrant les. Comment t'appelles ça? Les cercueils, t'avais peut-être des infos sur qui était la personne. Et ça te donnait peut-être un indice sur. C'était à l'étage, ok. Du coup, les 8 cercueils, j'ai pas trop compris. Si, à mon avis, si, parce qu'en fait, quand t'as les 8 cercueils, tu débloquais une note. En fait, dans le 8e cercueil, il y avait une note ici ou une note ici. Ouais, tu vois, 8. Ah, mais ok, en fait, c'est le même symbole que sur le coffre. C'est le symbole infini, j'ai l'impression. Donc, en fait, le symbole sur le coffre et le symbole ici. Le symbole, tu le débloques seulement quand t'as ouvert les 8, mais il y avait déjà la lettre, en fait. Et donc, nous, on a chopé la lettre, et c'est la lettre où il y avait, du coup, toutes les dates, là, qu'on a en haut à droite. Et après, il fallait juste piffer ou alors trouver un indice qui nous donnait la bonne date à rentrer. Ok. Ouais, c'est de la merde. Hein. Ok. Putain, la porte, tais-toi. Ok, on va à l'étage au bout du couloir. Et du coup, on a la deuxième fois. Faut vite qu'on soit en dessous de 2 heures, là. Ouais. J'arrive. C'était de l'autre côté? C'était de l'autre côté. Non, j'ai regardé le cadran, c'était pas ça. C'était ici, hein. Ok. Allez, 1972. T'imagines, c'est pas ça? C'est random? Ok. Let's go. Je pense que le mec qui a trouvé, il a dû faire pareil, il a dû tester tous les. Ok, j'ai un papier. Le capitaine, machin. Ok, je vois pas. I need to burn this place. Ok, il faut que je détruise cet endroit. Donc on va chercher l'essence. Let's go, baby. Ouais, salut! T'as pas de cheveux, c'est pour ça que t'as la mort, salope! Pardon. Je parle pas comme ça aux femmes pour de vrai. Ok, on a une vieille musique dégueulasse.
Alors, le jerrycan. Combien de jumpscares avant qu'on arrive au jerrycan, chat? Là, il y a de la lumière. Et t'as l'impression d'être poursuivi alors que pas du tout, quoi. Oui, on l'a vu, merci. Qu'est-ce que je dois faire? Allô? Ah, je dois... Attends, I need to do everything, gasoline, etc. It's time to go to the exit, the basement. On est d'accord, c'est ici, hein. Attends, je mets du gasoline de partout, là, c'est dégueulasse. Ok. Je jette une allumette. Et je me casse, c'est ça? La porte était fermée, et c'est fini. Et c'est toujours aussi nul. Mais on l'a fini. Mais on l'a fini. Deux fois, les deux fins. Vous avez les deux fins, le let's play est complet. C'est complètement de la merde, mais c'est complet quand même. Eh! Merci à tous. Exit tout menu. Support Steam. Remboursé. Merci beaucoup. Non mais putain. Ah! Bon, je te refais pas la outro, YouTube. Tu l'as eu. Oh mon dieu que c'était nul.